Salut, salut, chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner. Cette nouvelle change toute la donne. Cette nouvelle change tout sur le projet Breeze, voire même sur le projet Beffé. Attention, quelle est cette nouvelle? Tu vas comprendre dans cette vidéo. Si tu n'es pas encore un fidèle abonné, mon frère, ma soeur, tu rates beaucoup de choses. Car pour avoir la bonne information, tu es au bon endroit. Et le bon endroit, c'est ici sur cliquez pour gagner. Sans plus tarder, on va commencer la vidéo en parlant du Bitcoin. Le Bitcoin qui est en train de dégringoler. Attention. Nous sommes en train de voir le Bitcoin qui est en train de nous abandonner, d'abandonner nos espoirs. Oui, ça fait partie du jeu et ce jeu doit être joué comme cela pour que les faibles d'esprit puissent sortir vite de l'écosystème et laisser les durs à cuire comme toi hein, dans l'écosystème pour que nous puissions ensemble manger vivant. Alors, on commence par cette information. Attention, l'Union européenne, hein, commence par implémenter certaines lois hein, qui empêchent le blanchiment d'argent. Oui, apparemment, l'argent n'est pas si blanc. Les gens veulent le rendre encore plus blanche. Alors, donc, vous devez faire très attention. Les crypto-monnaies souvent sont utilisées pour le blanchiment d'argent comme toute autre monnaie. Toutes les monnaies au monde sont utilisées pour le blanchiment d'argent. Ce n'est pas uniquement les crypto-monnaies. Mais dans les crypto-monnaies, on voit plus une facilité pour certaines personnes. Or, en réalité, il n'y a pas cette facilité-là. Oui, il n'y a pas cette facilité-là. Parce que tu dois échanger cet argent avec la monnaie fiduciaire pour acheter la marchandise, vrai ou faux. Et lors de l'échange, tu as besoin d'utiliser quoi? Une plateforme quoi? Centralisée. Et si on sait, on retrace ton adresse, on sait que ton adresse vient voilà, d'un lieu un peu obscur. Alors, l'échangeur ou la plateforme centralisée peut bloquer cela simplement comme bonjour. Donc, les gens qui veulent utiliser les crypto-monnaies ou qui veulent, en quelque sens, utiliser l'écosystème de la crypto-monnaie pour blanchir leur argent, soyez sûr que votre argent va devenir plus noir que vous ne l'avez jamais pensé. Attention, parce que les plateformes centralisées, là, ils bloquent ça vite, vite. Chap, chap. Donc, beaucoup de prudence, beaucoup de prudence et beaucoup de prudence. Alors, on va parler rapidement en première partie du projet Breeze. On va beaucoup parler du projet Breeze. Ah oui, ça fait longtemps qu'on n'a plus parlé de ça. Les gens pensent qu'on a oublié. Non, c'est parce qu'il y a tellement d'informations, tellement de nouvelles. Actuellement, le projet Breeze, oui, l'information sur le projet Breeze que nous allons analyser avec vous ici peuvent changer toute la donne. Oui, toute la donne peut changer. Dans quel sens? Dans le sens positif ou négatif? Reste jusqu'à la fin de la vidéo. Aïe, je dis aïe. Là, tu vas mieux comprendre, d'accord? Là, tu vas mieux comprendre. Donc, nous sommes en train de voir Breeze est en train de chier diarrhée. Breeze est en train de chier caca diarrhée. Attention, c'est chaud sur Breeze. Et nous voyons que Breeze est en train de chuter. Alors, sans même parler du projet Beffé. C'est ce que je dis. Les gars, faites très attention. Dans le FOMO, c'est là qu'il faut vendre. Beffé, au même moment, Beffé est en train de faire quoi? Beffé est en train de pomper. Breeze est en train de chier diarrhée. Beffé est en train de pomper. Mais quel est ce pompe-là? Quel est ce pompe-là? Ce pompe léger hein, qu'on a vu durant ces quelques jours est en train de revenir à la case de départ. Les gars, attends, Beffé n'a pas encore... En un mois, Beffé a fait 100%. Je vais venir avec beaucoup d'informations sur Beffé et Breeze. Cette information qui peut changer beaucoup la donne. D'accord? Beaucoup la donne. Les gens pensaient que Beffé allait encore brûler 1-0. En tout cas, moi, j'ai mangé vivant. Et toi, tu as mangé vivant, tu t'es fait manger vivant. C'est ce que nous disons beaucoup dans notre groupe VIP. Si tu n'es pas dans ce groupe, tu rates beaucoup de choses. Le groupe VIP, c'est l'un des meilleurs groupes où, si tu suis le groupe, tu vas manger vivant. Attention. Mais si tu ne suis pas le groupe, tu seras toujours, toujours manger vivant. C'est très important. Alors, ceux qui sont dans ce groupe, c'est vrai, personne n'a le temps. Mais on veut investir. Il faut investir dans quelque chose où tu as le temps de suivre. C'est comme si quelqu'un qui veut faire l'élevage ou qui veut faire l'agriculture. Mais il dit toujours qu'il n'a pas le temps d'aller sacler, d'aller donner à manger aux animaux. Mais comment tu veux réussir dans ce domaine? C'est ça la vérité. Donc, cette affaire de je n'ai pas le temps, il faut avoir une activité de revenu. Certes, les gens ont choisi les cryptos, d'accord? Mais il faut aussi... Il y a 24 heures, aucune personne ne travaille 24 heures autour de la journée. Dans la journée, non, non. Donc, cherchez toujours le temps. C'est ce que je vais toujours inculquer dans le groupe VIP. Cette affaire de je n'ai pas le temps, là, moi, je ne veux plus écouter ça. Franchement, on a toujours le temps quand on veut bien faire. Attention donc, pour être VIP, c'est simple comme bonjour.
Le seul et unique groupe qui te donne hein, la psychologie d'un bon investisseur, le seul et unique groupe qui te donne accès à une variété de choses dans l'écosystème, c'est le groupe VIP de Cliquez. Et pour adhérer, clique sur le premier ou le deuxième lien en dessous de la vidéo. Tu vas tomber sur cette page-là, sur cette page-là. D'accord? Il y a 2066 personnes qui ont déjà fait leur préinscription. Toi, tu attends quoi? Après la préinscription, notre équipe te contacte sur ces numéros-là, le plus 208 96 04 08 07 ou sur le plus 55 11 95 08 09 787. Ces numéros-là sont Telegram. Et nous lancerons ces numéros en dessous de la vidéo. Alors, rapidement, avant de parler du projet, Brise et Béfé, avant de continuer, je tiens à vous dire que officiellement la troisième édition de notre cofraternisation, l'événement qui rassemble les Africains venus du monde entier, les cryptophiles, pas seulement les Africains, venus du monde entier, hein, sur le vieux continent, l'Afrique. Cet événement, c'est le seul et unique événement international, organisé par Cliquez pour gagner, pour la communauté Cliquez dont tu fais partie parce que tu regardes cette vidéo. C'est un événement où, aujourd'hui, regarde, d'abord, tu dois acheter ton ticket. On a lancé ça aujourd'hui de façon ouverte à tout le monde, d'accord? Et attention, les tickets, on a réservé seulement que 150 places. Actuellement, on a, je crois bien, ce sont 5 places déjà prises. Tu n'as pas besoin d'avoir l'argent pour réserver ton ticket actuellement, non. Tu peux réserver et après, tu peux même par tranche. Je crois bien, même l'équipe en te voit, c'est 10 000 francs CFA, que le minimum que tu peux commencer par payer. Pour participer à cet événement, regardez les belles photos. J'ai dit, ceux qui ont participé à Ouaga en 2022, au Bénin en 2023, les gars, vous avez vu ce qui s'est passé. Et nous avons même sur notre chaîne YouTube, attention, sur notre chaîne YouTube, la vidéo, la première vidéo pour les premières personnes qui s'inscrivent, c'est ça, c'est cette vidéo-là qui parle de la cofraternisation. C'est l'événement, les gars, regardez les photos. Ça, c'est Ouaga, ça. Ouaga 2022, d'accord? On a joué même au match de foot, vous voyez? Non, c'est pas seulement les crypto-monnaies. On a fait même le dîner, gars, ça c'est bien, regardez la salle. On a donné des trophées à nos panélistes. Cette année, les panélistes qu'on nous avait invités sont encore des personnes qui comprennent de l'écosystème et qui vont partager beaucoup leur savoir avec vous, avec nous. Donc, nous sommes en train de voir, donc il y a beaucoup de choses très, très, très intéressantes que tu dois, hein, si tu es un cryptophile, tu dois être présent pour voir, mon frère, ma soeur. Tu dois être présent, regardez, au Bénin, on a joué, hein, on a joué, regardez, on a même fait un gâteau à l'effigie de Cliquez pour gagner, regardez le gâteau là. Donc les gars, franchement, nous étions en train de couper le gâteau et les gens, on a dansé, les gars. Franchement, c'est beau, sortez un peu du virtuel. Si tu veux comprendre, remplis le formulaire en cliquant sur Cliquez pour gagner, événement. Après événement, cofraternisation, mon frère, cofraternisation ici. Confraternisation 2024, tu achètes ton ticket, tu réserves ta place rapidement. Parce que bientôt, à cette allure, je crois bien qu'il y a certains qui vont vous cliquer ici, ça serait indisponible. Alors, je reviens sur le projet Brise. Avant de revenir sur le projet Brise, parlons du projet DeFi. Maintenant, ce projet-là qui va sortir très bientôt, j'ai dit très bientôt, dont on a déjà fait une vidéo sur ce projet-là. Aïe, c'est que j'ai dit, si tu n'es pas un abonné, tu n'as pas activé la cloche de notification, ce projet-là. Demain sera listé la crypto-monnaie Matin Network. Est-ce que tu as regardé cette vidéo-là? On nous dit simplement que cette crypto-monnaie-là, attention, hein, elle a eu beaucoup d'argent qui sont bloqués sur son protocole. Nous espérons qu'il n'y aura pas de hacking. Attention, il y a eu plus de presque un demi-milliard, si j'arrondis, hein, il reste quelques millions, mais 417 milliards. Il y a presque un demi-milliard bloqué sur ce protocole-là. J'espère qu'il n'y aura pas de hacking de ce protocole-là. J'espère, parce que les protocoles hackés, on en voit comme des petits pains aujourd'hui dans notre écosystème de la crypto-monnaie. Au même moment, avant de revenir sur Brise, oui, l'information qui peut tout changer, parlons de cela. On dit Solana va lancer un nouveau smartphone moins cher que le Saga. Donc Solana veut lancer un autre téléphone. Vous savez, le Saga, l'équipe de Solana a utilisé ça pour faire un marketing vraiment agressif. Et ils ont fait bomber le prix rapidement. Vous savez ça très bien ou bien? Ils vont encore revenir. Les gars, en tout cas, moi je ne sais pas quoi cet investissement. Celui qui veut qu'il écoute, celui qui ne veut pas, tant mieux. Les gars vont lancer encore un nouveau téléphone. Cette fois-ci moins cher. La dernière fois Saga, ils ont lancé ça. C'était cher. Hein, il disait, c'était quoi? Il faut avoir histoire en crypto-monnaie. Ça ne finit jamais.
Et ça ne finira jamais. C'est pourquoi toi, le crypto-investisseur, tu dois toujours t'actualiser. Tu dois toujours chercher les bonnes informations, les bonnes analyses. C'est ce que nous donnons ici. Et les analyses approfondies, alors nous le donnons dans le groupe VIP. Attention, approfondies dans le groupe VIP. C'est là, les gens pensent qu'ils vont regarder les vidéos, vont comprendre. Certains regardent cette vidéo de matin, ils n'ont pas compris. Dans le groupe VIP, on a donné tout clairement ce qu'un bon investisseur doit s'attendre et doit faire. Et s'il arrive que ça arrive, alors je crois bien que les membres du VIP vont manger encore ce toi qui n'est pas encore VIP, qui pense que c'est en achetant que tu vas devenir riche. Malheureusement, ce n'est pas tout que tu achètes que tu vas t'enrichir. Malheureusement. Alors, on nous parle encore des impôts. En Indonésie, hé les gars, les impôts vont nous tuer. Mais revenons sur Befe. Revenons sur Befe. Attention. Ah oui. Befe token. On va aller sur le site, hein, et on va aller sur le projet Breeze. Cette nouvelle va beaucoup changer beaucoup de choses. Le projet Breeze, attention, je vais ouvrir le smart contract BEP20, d'accord, parce que c'est là que les choses intéressantes semblent commencer. Et si réellement, alors le projet BEFE, quand on a commencé, on va parler du projet BEFE, les gens pensaient que c'était du jeu. Mais le projet BEFE aujourd'hui, nous avons vu que, on dit simplement, écoutez, hein, on dit simplement, le trading se fait sur l'échangeur. Ceux qui ne savent pas, le projet Breeze a son échangeur. Hein? Bitrate.exchange. C'est pas l'échangeur et BitJet. Hein? Ça, c'est BitJet. Je crois bien. C'est R sûrement qui a changé, je crois bien, dedans. Et quand nous voyons, eux-mêmes, ils ont leur propre échangeur. Eux-mêmes, ils ont leur propre blockchain. Eux-mêmes, ils ont tout leur écosystème. Mais malheureusement, nous remarquons une chose, ils veulent valoriser la maison de d'autres personnes. Donc, l'échangeur est là, leur échangeur est là, et nous voyons les monnaies qui sont listées. Voilà, les monnaies qui sont listées, il n'y a pas beaucoup de monnaies, les monnaies qui sont listées sur Breeze, etc. Shiba, etc. Ils disent que le trading va commencer pendant les 24 heures sur le projet BFE. Et imaginez-vous, leur échangeur n'est pas encore sur CoinMarketCap, je crois bien, ce n'est pas encore sur CoinMarketCap. Hein. Mais venons-en maintenant sur le site de BFE. Toujours BFE, le même coin. Ils n'ont pas encore lancé le BFE en ERC20. Restez conscients. Ils n'ont pas encore lancé le BFE sur leur propre blockchain. Restez encore conscients. D'accord? Ça, c'est important. Et aussi, ils n'ont pas encore lancé où est-ce que tu vas laisser tes brises en staking pour gagner du BFE. Ils n'ont pas encore lancé. Et quand nous regardons sur le compte Twitter du projet Breeze, les gars, c'est là que les choses commencent par devenir intéressantes. Et regardez sur leur tweet, on dit simplement, ils ont signé un partenariat avec les utilisateurs de l'Inde. Hein, je ne sais pas si c'est un échange ou c'est quoi. Hein, non, pour une intégration sur coin X, coin avec K, d'accord, je crois bien que c'est un échange. Bon, maintenant, nous venons maintenant, il nous dit ceci. Les gars sont en train de nous dire attention que quelque chose est en train d'arriver. C'est cette nouvelle qui va pratiquement tout changer. Attention. Les gars nous disent simplement que les TAS sur le DEX du BRC20, du BEP20, d'accord, du BEP20, ces taxes-là, hein, seront brûlées. C'est-à-dire, quand tu fais une transaction ici, sur PancakeSwap, sur tous les swappeurs qui sont BEP20, ils vont réserver une partie pour le burn. Et là, je n'ai pas la boule de cristal. Alors il dit, dans les 12 jours, hein, le nouveau mécanisme de burn, qui consiste à quoi? À bloquer et à réduire le nombre de total supply en circulation sont de presque 134 milliards de brises. C'est vrai, ils ont un total supply énorme, mais les gars ont décidé de faire un burn. Et dit simplement que le volume de trading du token a augmenté et le nouveau mécanisme est prêt pour être rénové. C'est-à-dire qu'ils vont enlever certaines choses qui empêchaient les investisseurs de gagner un peu plus. Donc, aujourd'hui, l'équipe de Breeze est en train de voir qu'ils ont beaucoup à faire. Effectivement, ça, moi, j'apprécie en quel sens? Au sens où les gars cherchent toujours la formule. Hein? Attention. Les gars cherchent toujours la formule magique. Ils cherchent toujours la formule magique. Regardez. Donc, les gars cherchent toujours la formule magique. Et quand nous venons sur leur... Attention, ça, c'est buffé. Leur smart contract.
Et là, smart contract Ethereum, il n'y a pas beaucoup de mouvement. Mais sur BEP20, ils veulent franchement cartonner. Ils veulent franchement. Donc, cette nouvelle porte à croire que voilà, ils veulent faire quelque chose. Et ils nous annoncent qu'ils ont été listés encore sur un échangeur. Hein? Je crois sur l'échangeur XT. Hein? Encore un échangeur XT. Ils ont fait un listing et ils ont ouvert les retraits. Je crois bien les retraits. Oui, je crois bien les retraits. D'accord, les retraits sont officiellement ouvertes là-bas. Je crois bien une actualisation qu'ils sont en train de nous annoncer. Et les gars sont beaucoup, beaucoup, beaucoup actifs sur leur compte Twitter. Mais les gars, nous voyons que Buffet, quand les gens vont commencer, la plateforme, moi, c'est ce que j'attends. La plateforme qui permettra aux gens de laisser comment appelle-t-on, leur brise en staking pour gagner des Buffet, cette plateforme n'est pas encore, à ce que je sache, disponible. Peut-être elle le sera très prochainement. Elle le sera très prochainement. Leurs produits, leurs échangeurs, leurs, etc., etc. Peut-être ils vont mettre en place cette plateforme. Et imaginez-vous, les gars, c'est des marketeurs. C'est des marketeurs. Dans le groupe VIP, on a parlé de beaucoup de cela. Les gars sont dans le smart contract, dans le propre blockchain. Le staking, d'accord? Le staking, je crois bien sûr, leur propre blockchain. Mais les gens attendent le staking du token BEP20 hein, pour voir comment le marché réagira à cela. Alors, mon frère, ma soeur, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à là. Donnez j'aime à la vidéo, partagez la vidéo au maximum. Et notre événement, la confraternisation, est encore disponible. Tu peux y participer. Pour ceux qui veulent faire le cours, cliquez aussi sur le lien pour le cours en ligne pour remplir ce formulaire. Restez focus sur la chaîne. On se dit à la prochaine vidéo pour des informations comme celle-ci. Et ciao!